Shalom à tous, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle, vous tous qui habitez la cité de Dibalobwe, dans la province du Kwilu, dont le Grand Bandundu. L'église des saints de Dibalobwe organise une grande campagne évangélique qui se tiendra à la date du 5 et 6 juillet 2024 à l'esplanade du bureau de la cité de Dibalobwe avec votre serviteur Rotela Moyinga, Paul l'évangéliste. La campagne évangélique est dénommée Médecin Jésus à Dibalobwe. Le thème que nous allons parler, c'est Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Alors, préparez-vous. Bientôt, nous serons là pour les préparatifs. Et nous croyons que la main de notre Dieu va se manifester suffisamment. Beaucoup de gens seront sauvés. Beaucoup de gens seront guéris. Beaucoup de gens seront bénis. Mobilisez-vous déjà. Tous les jeunes, nous venons, les jeunes de Dibalobwe, soyez mobilisés. Nous venons pour la bonne cause. Et nous croyons que la ville sera bénie, la cité sera bénie. Il y a des choses qui vont se passer par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur a décidé de pouvoir vous édifier avec notre petite grâce. Juillet, le 5, le 6 juillet, ça sera vendredi, samedi et le dimanche. Nous allons finir à l'ensemble des saints de Dibalobwe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez besoin de soutenir cette action évangélique, n'hésitez pas à nous contacter pour votre soutien. Nous allons vraiment, ça va beaucoup nous aider. Soyez tellement bénis. Dibalobwe, bientôt. Le feu. Avec la grâce du Seigneur. Pourquoi Dibalobwe? Parce que nous disons que c'est là où que nos parents ont crié à cet évangile. J'ai de bons souvenirs. Voilà, le Saint-Esprit nous impose de commencer la première sortie évangélique à Dibalobwe. Mobilisez-vous, tous les jeunes, tous mes amis d'enfance, nous venons pour servir Dieu. Une très bonne nouvelle pour vous. Soyez très bénis, nous sommes ensemble.